Bonjour. En quelques mots, je vais vous présenter le Centre des technologies nouvelles que je dirige. Cette association est un centre de ressources technologiques basé à Caen, en Normandie, et dont le métier est de diffuser les technologies numériques sur le territoire régional. Ce centre est composé d'une équipe de 14 permanents, dont la moitié d'entre eux sont des experts en nouveaux usages des TIC, c'est-à-dire des technologies de l'information et de la communication, et qui interviennent essentiellement sur quatre grands secteurs d'activité. Le premier d'entre eux, premier secteur d'activité, est celui de l'industrie, bien représenté en région avec de nombreuses petites et moyennes entreprises industrielles. Les experts du CTN travaillent avec ces entreprises sur leurs projets de modernisation de leur système d'information. Le deuxième secteur d'activité est celui des professionnels de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications. Là, nous intervenons sur leurs projets innovants en liaison avec les laboratoires de recherche publics universitaires. Le troisième secteur d'activité est celui de la formation professionnelle, avec lequel nous développons le e-learning sur tout le territoire régional. Et notre dernière activité concerne l'animation et la coordination du réseau des espaces publics numériques. C'est dans le cadre de cette activité que nous avons monté un programme de coopération avec Métamorphosis. Ce programme va maintenant vous être présenté succinctement par Francine Rochefort, qui l'a en charge au Centre des technologies nouvelles. Nous sommes partenaires de Métamorphosis dans le projet de coopération entre notre région, la Basse-Normandie, et la République de Macédoine. Grâce à ce projet, nous souhaitons développer des liens d'amitié avec votre pays et entrer dans une coopération dynamique autour de l'axe 1 du projet sur l'usage des technologies de l'information et de la communication et la gouvernance locale. Derrière ce thème, technologies de l'information et de la communication et gouvernance locale, sont prévues des actions importantes autour de l'accès du citoyen à l'Internet et à l'usage de ces technologies notamment. C'est pour cette raison qu'au niveau du CTN, nous développerons les activités liées à cet axe dans le cadre du réseau des espaces publics numériques de Basse-Normandie. Nous les appelons EPN. Alors ces EPN, ce sont des lieux, un peu comme les télécentres en République de Macédoine, dans lesquels on trouve des micro-ordinateurs qui permettent l'accès à Internet et qui surtout permettent à chaque citoyen de venir utiliser ou se former aux technologies de l'information et de la communication. Une personne que nous appelons animateur est présente en permanence dans chaque lieu pour aider chaque personne à utiliser les TIC, soit individuellement, soit en organisant des ateliers. Faire de la photographie numérique, par exemple, apprendre à envoyer un mail, créer son blog ou son site internet sont quelques-unes des activités qui peuvent être réalisées. Alors, ces EPN sont portées par des collectivités locales ou des associations à but non lucratif. Leur mise en place est financée par la région de Basse-Normandie. Il existe 100 lieux de ce type sur tout notre territoire bas-normand, et c'est à partir de ces lieux, avec les hommes et les femmes qui les font vivre surtout, des animateurs mais aussi des élus, que nous pourrons identifier et lancer des projets concrets d'exercice de la citoyenneté locale par l'éthique. Et c'est à travers ce thème que chaque EPN aura l'occasion de tisser des liens avec une ou plusieurs structures similaires en République de Macédoine. Nous espérons que ces projets partagés seront nombreux. Il représente une réelle opportunité pour les acteurs bas-normands d'échanger dans un cadre européen et nous attendons beaucoup de cette coopération. Avec Barzul Jassari de Métamorphosis, Gilles Marié et moi-même, nous aurons à cœur de mettre tout en œuvre pour mener à bien ces collaborations.